cœur des courses, depuis tout petit sur les hippodromes. En parallèle de l'école, on a commencé à monter en Jean Kleumann. Après les études, j'ai fait un bac et un BTS comptabilité gestion. J'ai passé ma licence, c'était en 2014. Je me suis installé juste avant le meeting de Cagnes, en ayant un petit panel de chevaux. Ce qui a permis d'être lancé dans le grand bain, dans un endroit où je connaissais les courses, le programme. Et le meeting s'est bien passé parce que le premier meeting, on a réussi à avoir 4 gagnants, dont un quintet. On a à l'écurie une spécificité, on a des marcheurs aquatiques, un couloir à eau qui nous permet de passer les chevaux après l'eau. Mais surtout, on a un marcheur qui a été aménagé, 10 places à l'extérieur et à l'intérieur 5 places dans l'eau, avec une hauteur réglable pour les chevaux. Donc c'est assez génial de travailler avec ça. La surface du site est assez étendue, on a environ 90 hectares. C'est assez pratique pour les herbages pour les chevaux et aussi pour produire le fourrage. Ensuite, on dispose d'une grande piste plate de 1200 mètres. Sur cette piste plate, on a aménagé une diagonale pour les faire un peu bouger, bien s'équilibrer. C'est assez pratique pour les poulains. Et on a aussi fait une ligne droite aménagée, un tout petit peu incurvée et une ligne droite qui monte. Donc pour le travail des chevaux, c'est pas une ligne droite dure, mais ça les fait bosser. Ça monte en plusieurs fois, il y a plusieurs paliers. C'est un très bon outil de travail. On a aménagé un petit bout de gazon au milieu de la piste pour pouvoir sauter quelques jeunes chevaux sur le gazon une première fois. On a aussi sur la structure une piste polyvalente avec des haies qui sont mobiles sur la piste. On peut s'exercer et prendre un peu de vitesse pour les premiers chevaux à débuter, c'est pas mal. On a aussi une piste de steeple qu'on a aménagée, avec toutes différentes difficultés qu'on peut rencontrer l'après-midi. On a essayé que ça ressemble le plus possible à ce que le cheval va voir en course l'après-midi. On a aussi une belle arène avec 5 haies qui permet aux jeunes chevaux de se mécaniser et qui permet aussi aux anciens de se remettre en route. Cette arène, elle est ludique, elle ne les écœure pas, mais elle leur apprend à bien faire attention à apprendre leur métier. On dispose aussi d'une ancienne écurie qui sert un peu de quarantaine avec des chevaux qui arrivent pour ne pas contaminer au cas où il y a un problème les autres. Et on a aménagé un bâtiment vétérinaire et maréchal où on peut bien travailler. Les chevaux sont habitués à être attachés. On peut les avoir 4 en même temps et c'est très pratique pour les fournisseurs à côté, que ce soit vétérinaires, maréchaux qui viennent pour bosser. À l'écurie, on brumise tous les barns. On voit un peu, que ce soit au trot, au galop ou même au concours en ce moment, quelques maladies. Et on brumise tous les jours aux huiles essentielles afin de pouvoir rendre une atmosphère un peu plus saine, un peu plus pure dans les écuries.